Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par le point météo, de la grisaille, beaucoup de vent et de la pluie au programme de ce mercredi. On attend 10 degrés du côté des températures maximales. Entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Francis Gillot qui prépare la 24e journée de Ligue 1 avec la réception de Lorient dimanche à 17h au stade Chaban-Delmas. On rappelle que Bordeaux est 7e au classement avec 34 points. Les Lorientais sont dixièmes avec 32 points. Côté blessé, Landry Guémot souffre toujours du genou, Rolan de la cuisse, Jussier et Diabaté sont toujours en phase de reprise. Et puis noté que Lucas Orban est suspendu pour cette rencontre. Côté Lorienté, Barthelmé est blessé. Cheikh Doucouré souffre du genou. Kevin Monet-Paquet souffre des ischio-jambiers. Il est incertain pour la rencontre. Enfin, Coutadeur et Garcia, eux, seront certainement forfaits. Enfin, notez que la pelouse du stade Chaban-Delmas, toujours en mauvais état hein, après la rencontre face à Saint-Étienne. Eh bien, du coup, la rencontre de ce dimanche face à Lorient n'est pas sûre de se tenir. En tout cas, le club de Lorient a été prévenu d'un éventuel report de la rencontre. Affaire à suivre. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous ont présenté votre émission.